Oh! Il est 10h. On va faire un cube énergie. Avec la routine de Phil Labrise! Yeah! Oh boy. Ya, ya, ya! Ya! Hey! Voilà, la passa! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait la routine du matin. Bon, vous avez juste besoin de m'imiter. On commence par dormir. Ah, voyons. Encore un petit peu, OK? Ah! Oh non! On s'est levé en retard! Vite! On sort du lit! Hop! Hé! On s'étire! OK, vite, dans la douche. OK, on se lave comme faux. OK, on sort de la douche. OK, on s'habille. On met les pantalons. On met le chandail. On descend en bas, OK. On déjeune. Faut déjeuner. C'est important de déjeuner. OK, les toasts. Les toasts sont là. OK. Eh oui, on barre les toasts. On mange les toasts. Mais faut pas manger vite. C'est pas bon pour la digestion. Oh mon Dieu! Mon autobus! OK, on se brosse les dents. On rince. Parfait. Non, je vais arrêter mon autobus. Et le sac à dos. Ouais. Non, partez pas. Attendez-moi, l'autobus. Attendez-moi. Ben là, ben, je pense à ça, là. J'ai jamais pris l'autobus. J'habite à côté de l'école. Bye. Hey, lui, il est chanceux d'habiter proche de l'école. Parce que moi, là, j'habitais là loin. Tellement loin. Les élèves de l'école Bon Pasteur sont tellement talentueux qu'on a décidé d'en profiter et on va faire aujourd'hui avec eux la danse des zombies. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Yes! Mais en premier, on va vous montrer la danse tout le monde, donc écoutez-nous et ça va bien aller. Donc, au début, on va aller au sol. Parce que des zombies, ça sort de la terre, d'un cimetière. Et là, on va se lever tranquillement, en zombie. On va suivre la musique. Ça va très doucement. Là, vous pouvez même faire des grimaces avec votre visage. Là, on est de vrais zombies. Et par la suite, on va se lever, le dos bien droit. On va mettre nos bras comme ça ici, en angle droit, mais on va les laisser pendre un petit peu. Et là, on va aller faire des petits cercles avec la tête, puis avec le bassin. Donc, ça fait quelque chose comme ça ici. Tourne la tête comme ça. Puis le bassin. Et là, on va faire la même chose, mais de l'autre côté, donc. Puis le bassin. Par la suite, on garde nos bras comme ça ici, mais là, on va aller coller la tête sur l'épaule et on va marcher tout droit. Comme ça ici. Faites des grimaces aussi avec votre visage. Et là, on arrête et on fait des reculons. Ouais. Vous êtes bons. Et là, on va arrêter ici comme ça. Donc, après ce mouvement, prendre nos bras comme ça en avant et on continue à être un zombie en marchant comme ça ici. On peut lever les jambes, on peut faire des grimaces, on peut faire des bruits. Puis on arrête et on fait la même chose, mais de reculons. On peut regarder notre ami. Recule. Et on arrête. Boum! Par la suite, on garde nos bras, mais là, on va les amener sur le côté comme ça ici. Et on continue à marcher sur place, puis on va monter et descendre les bras. Ça donne quelque chose comme ceci. Et on change de côté. Voilà, c'était la danse de zombies. Ça va super bien aller tout le monde. Maintenant, on le fait tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! On part au sol et on se prépare. Côté.
Les pros du cardio présentent la première édition des Jeux olympiques d'automne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épreuve de bobsleigh. Hey, salut Marianne, salut Fleur. Dis donc, t'as donc l'air pressée. Mais hein, après la compétition, je m'en vais directement à un concours d'imitation. Ah ouais? Imitation de quoi? Check ça. Je suis pas sûr de comprendre la référence. Ok, il est temps, faut y aller. Et maintenant, du Canada, le duo Saint-Gelais-Rochette. Les compétitrices s'avancent en piste, l'air déterminé à remporter l'or. Ok, tout le monde debout. On se prépare à aller pousser notre traîneau. Comme ça, hein? Genoux au sol. Position planche. En alternance, on va apporter genoux, poitrine. Comme ça. C'est clair? C'est simple. C'est simple, Chloé? C'est simple. Vous êtes prêts? C'est parti! On y va. En position planche. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, go, 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 go! Pousse! Pousse, 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 let's go! Let's go, tout le monde! Allez, poussez, poussez votre traîneau! Et poussez un peu plus fort, s'il vous plaît! C'est pas assez! C'est pas parce qu'on pousse un traîneau qu'on doit avoir l'air du petit renne au nez rouge. Oh, mais c'est une longue descente. C'est dur, hein? On lâche pas. Ok, tout le monde. 3, 2, 1. Excellent, tout le monde. On se lève debout. Pfiou! Là, faut rentrer dans notre traîneau le plus vite possible. Oui. Ok, donc ce qu'on va faire, genoux, 2, 3, 4, et là, boum, on se penche pour rentrer dans le traîneau. Ça marche? On part ça dans 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, on se penche. Ok. 1, 2, 3, 4, on se penche. Excellent. 2, 3, et 4, et boum. Encore. 2, 3, 4, boum. Entrer dans un traîneau n'aura jamais été aussi bruyant. Down! Excellent! Et encore un boom! Let's go, on lâche pas! Oh, je vous fais ton tour! N'oublie pas de rentrer dans ton traîneau, Marianne! On passe en toi sinon! Un dernier, tout le monde! 1, 2, 3, 4, on se penche! Wouh! Excellent! Bon, encore une fois, rentrer dans son traîneau le plus vite possible. Pour le bobsleigh, pas le choix. Petit drill le plus bas possible. 1, 2, 3, boum! Okay. On se penche. Ça marche? Ouais. Dans 2, 1, on y va tout le monde. 1, 2, 3, penche! Good! 1, 2, 3, boum! Voilà. Excellent. Un exercice quelque peu particulier. On bouge le pied. Vite, vite, vite! Down! Ouh! Excellent! Ouh! Ouh! Alright, lâche pas, lâche pas, lâche pas! Ouh! Un petit peu plus vite! Et penche! Fall down! Ouh! Excellent! Let's go, let's go, let's go, let's go! Ouh! Ouh! Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas! Laissez que ça brûle! Ouh! Ok! Un dernier! 3, 2, 1! Ouh! Good job! Fini. Wow! Ça, c'était pas facile. Ah, c'est dur. Bravo, Chloé! Bravo, la gueule! Ouais, bravo! Ah, mais oui, je les reconnais, là. Bob Mar... Non, Elvis... non, les Beatles... Non, non. En fait, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui est trop vieux? Là, j'aime tellement loin, là, mais tu sais, là, loin par là, tellement loin, là, par là, on dirait que Bob a fait le party et mis le dojo un peu à l'envers. Comme dit mon sensei, un espace commun comme notre dojo doit être à l'ordre si on veut bien travailler ensemble. C'est comme dans une classe d'école ou à la maison.
Il me reste beaucoup de ménage à faire, hein? Bon, il faudrait que je me réchauffe. Voulez-vous faire des coups de pied circulaires avec moi? Excellent. Première étape, c'est de bien lever le genou comme ça. Deuxième étape, c'est de pivoter le pied au sol. Comme ça. Sinon, on peut se faire mal au genou. On recommence. On lève le genou, on pivote. Maintenant, on peut ajouter le coup de pied. Comme ça. Encore une fois. Maintenant, on le fait de l'autre jambe. On se rappelle. On lève le genou, on pivote. Allez, avec le coup de pied. Et voilà. Et maintenant qu'on est bien réchauffé, on essaie de faire les coups de pied le plus haut possible. Allez, on donne tout ce qu'on a. Et de l'autre côté, faites des cris avec moi. Allez, on donne tout ce qu'on a. Ça! Et ça! Encore un cri avec moi. Et ça! Ah! Ça, ça fait du bien. Bon, je pense que je suis prêt à faire le ménage. Bob? Merci. Ah! Ça fait du bien quand tout est en ordre. Hein, Bob? Bob! Mais comment t'as pu? Ça fait même pas une minute! Ah! T'as invité ta sœur. J'aurais jamais deviné qu'ils sont de la même famille. Bon, ben, je vais encore faire le ménage parce que, comme dit mon sensei, un dojo propre est pour l'esprit, ce que le shampoing est pour les cheveux sales. Ouais, c'est ce que dit mon sensei. Os! Yahoo! Oh! 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 Hey, aucune chance qu'Antoine marque un but contre moi. Je suis beaucoup trop rapide. Hein? Oscar? Quoi? Hein? Tu veux essayer de marquer un but contre moi? Non, 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 non. Je t'appellerai pas non plus Sidney Hosby, là. Juste pour le fun, ça se peut pas. Hey, pour nous autres, on se revoit demain à 10h pour d'autres aventures. Salut tout le monde! Ah!